Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du KYC obligatoire avant le retrait sur Hamster Combat. Attention, oui, et oui, il pourrait arriver que pour faire le retrait, il faut faire un KYC. C'est quoi réellement un KYC? Comment le faire? S'il arrivait que, quelles sont les conditions à mettre en place pour pouvoir faire le retrait? Les gars, ça va chauffer. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, je t'invite à t'abonner rapidement à cette chaîne et mieux encore à activer la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Je tiens à vous informer que je serai à Lomé du 20 au 21 pour l'événement notre confraternisation, la troisième édition qui aura lieu à Lomé au Togo, à l'hôtel Saint-Lazaro. Alors, le thème de l'événement, c'est élargir ses horizons, stratégie d'investissement hors crypto-monnaie. Nous aurons des panélistes, deux du Togo, oui, trois du Togo, un de la Côte d'Ivoire qui seront présents et d'autres panélistes surprises aussi qui seront présents. Un dîner gala serait offert et une attestation serait disponible à tous les participants. Le prix d'entrée est de 65 000 solo, mais en couple 110 000. Les contacts seront en description de la vidéo pour ceux qui veulent venir me rencontrer ou rencontrer l'équipe Cliquez pour gagner, toute l'équipe Cliquez pour gagner. Sachez que nous ferons un grand plaisir de faire votre connaissance. Donc, mon frère, ma soeur, ne rate pas cette occasion-là. Je serai à Lomé à l'hôtel Saint-Lazaro, mais seulement ceux qui seront présents à cet événement pourront me voir. Merci. Alors, les gars, franchement, Hamster Combat, le KYC, c'est quoi le KYC? D'abord, c'est la première question qu'on doit se poser. Le KYC, c'est une vérification d'identité. C'est-à-dire, il pourrait arriver à un moment que on nous demande de vérifier notre identité. Alors, quand on te parle de vérification d'identité, simplement, c'est simple comme bonjour. On veut savoir qui tu es réellement. Tu vis où réellement? Dans quel trou tu te caches? Pour savoir, le jour où on aura besoin de toi, on viendra là-bas seulement te piocher. On va te piocher là-bas. Et aujourd'hui, nous savons tous que tout le monde, la plupart, nous tous, nous sommes dans le jeu Hamster Combat, le plus grand jeu qui rassemble des millions d'utilisateurs à travers le monde entier. Et nous attendons impatiemment le grand retrait. C'est-à-dire, les modalités de retrait que nous sommes en train de sais pas, de réfléchir à ce qui pourrait arriver. À ce qui pourrait arriver. Parce que, franchement, ça reste encore un mystère. Et pas un petit mystère, mais un grand mystère. On a fait des vidéos comme celle-ci, obligatoire retrait, ce que tu dois savoir sur le retrait. Maintenant, nous allons parler du KYC. Attention. Oui, parce que vous savez, les gars de Hamster Combat, ils sont tout, mais sauf bêtes. Ils savent que la plupart des personnes, hein, ici ou ailleurs, ont déjà des milliers de comptes. Des milliers de comptes. Ils ont un PPH, un profil. Et un profil et par heure très élevé. Ils ont toutes les cartes. Ils ont parrainé. Ils ont un niveau élevé. Ils ont un coin balance intéressant. Ils savent ça. Ils savent. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour éviter ça? Donc, cette vidéo, c'est une vidéo de prévention au cas où. Au cas où. J'ai dit au cas où parce que tu es un fidèle abonné. Les gars, il y a ceux qui disent non, va directement à l'essentiel. Je n'irai directement jamais à l'essentiel. Je vais te donner les détails. Donc, ceux qui aiment les détails, c'est eux qui comprendront mieux. Ceux qui pensent qu'ils comprennent dans un titre ou dans une affiche, tant mieux pour eux. Ici, c'est l'objectif et le but principal de cette chaîne, c'est de rentrer dans les détails. Donc, si toi, tu n'aimes pas les détails, quitte rapidement cette chaîne parce que ici on parle des terrains. Non, tu parles trop. Oui, je parle trop parce que j'aime donner des explications plus détaillées. C'est tout. Si tu ne veux pas, basta. Bye bye. Tu ne trouveras nulle part ailleurs. Entre parenthèses, regarde même sur YouTube combien d'influenceurs essaient de répondre, d'actualiser, d'informer leur communauté. Et toi, tu es là, tu fais pardon, va ailleurs. Va ailleurs. Va ailleurs, va là où tu auras l'essentiel. Et laisse-nous tranquilles ici dans notre travail. Sauf si tu laisses un commentaire bizarre. Comme tu as senti ça en description. On va te bannir. C'est fini, tu ne pourras plus jamais commenter. Si un jour tu as une question importante à poser, tu poseras. Mais
Personne ne pourra voir. Moi-même, je ne pourrai voir. Parce qu'on t'aura banni sur la chaîne. D'accord? Donc, on continue. Donc, je dis simplement, nous devons faire très attention. Je dis très attention. Parce que ce qui se passe actuellement, les gars savent que nous avons déjà plusieurs comptes. Regardez d'abord, entre parenthèses, ce qu'ils nous disent. Hein, ce qu'ils nous disent. Hein, et c'est où, ici? C'était hier. Ouais, c'était hier, oui. C'était hier. Les gars nous informaient qu'ils sont maintenant sur quoi? Ils sont maintenant sur Facebook. Les gars vont nous trimballer. Non, franchement, je préfère être véridique et sincère avec vous. C'est parce que c'est gratuit qu'ils vont nous trimballer. On dirait quelque chose. Ils nous informaient hier que non, ils ont supprimé le post là. Ils sont maintenant sur Facebook. Oui, les gens comment nous informer que maintenant ils sont maintenant sur Facebook. Peut-être ils vont bientôt préparer les tâches pour rentrer dans Facebook, hein, afin de pouvoir gagner encore des points, des coins, etc. Les gars, franchement, disons la vérité, hein, on en a marre. On en a marre. Actuellement, le souci et le grand souci, ils ont supprimé le poste là. Je vous jure, les gars ont supprimé le poste là. Hier, ceux qui sont dans le channel Telegram, ils ont suivi, on a même parlé ça dans notre groupe VIP, parce que ceux qui ne savent pas, on a un groupe fermé, d'accord, sur Telegram. Pour faire partie, il faut cliquer sur le troisième lien en dessous de la vidéo. Là-bas, les informations, les analyses passent très vite. D'accord? Donc, hier, les gars nous informaient que c'est comme ça. Ils sont maintenant sur Facebook. Mais on va faire quoi avec? On est fatigué. On est fatigué. Regardez ici. Ici, oui, c'est leur lien Facebook. Ils ont mis ça ici. À chaque fois, ils vont nous dire, après Facebook, ça serait quoi? Ça serait TikTok. Après toi, ça serait quoi? Ça serait LinkedIn. Après LinkedIn, ça serait quoi? Donc, on est fatigué. Maintenant, là, on veut la clarté des choses. Donc, le KYC est important en quel sens? Au sens où ils veulent connaître qui sont ceux qui sont en train de faire le retrait. Ils sont où? Et un KYC identifie déjà une personne pour ne plus demander encore un retrait ou ouvrir encore un autre compte sur une plateforme. Ceux qui ont les comptes sur et Binance, Getter, KuCoin, CoinEx, etc., les échangeurs que nous recommandons, qui seront toujours en dessous de la vidéo, hein, vous allez remarquer que on demande le KYC. Donc, mon frère et ma soeur, si tu es dans Hamster Combat, prévenir vaut mieux que guérir. Je dis, prévenir vaut mieux que guérir. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est simple comme bonjour. Il faut avoir au moins une carte d'identité. Mieux encore, un passeport. Oui, non, soyez sincère. Au moins une carte d'identité ou un passeport. S'il arrivait qu'il demandait, hein, de faire un KYC avant le retrait, alors tu auras déjà eu ta carte d'identité. Donc si tu n'as pas encore une carte d'identité, bon, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Va le faire. Parce qu'au moment où ils vont venir, dire, il faut avoir une carte d'identité ou il faut avoir, hein, et quoi peut-on. Et je peux dire en quelque sorte un passeport parce qu'il y a certains KYC, certaines vérifications d'identité qui demandent juste le passeport. Ils s'en foutent de la carte d'identité, ils s'en foutent de la carte consulaire, ils s'en foutent du permis de conduire. Ils veulent juste le passeport. Juste le passeport. Donc, soit tu as un permis, soit tu as une carte d'identité, soit tu as un passeport. Oui, prépare ça, prépare les trois choses. Parce que s'il arrivait qu'il demandait, alors tu serais prêt à répondre, ah, me voici. Parce que le KYC va aider en quelque sorte à faire quoi? À purement et simplement filtrer. À filtrer, hein, je dis, à filtrer et les, quoi peut-on, les personnes en quelque sorte qui sont toujours, hein, dans Homme sur Combat. Est-ce que c'est les robots ou c'est des personnes? Si c'est des personnes, ils sont où? Donc, c'est vraiment quelque chose un peu délicat. C'est vraiment quelque chose un peu délicat. J'ai dit très, très, très délicat. Donc, ça là, c'est juste une vidéo de prévention. Et je te recommande, toi qui regardes cette vidéo aussi, j'ai dit c'est une vidéo de prévention. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Ils peuvent exiger. Et s'ils exigent, nous sommes qui pour dire non? Bon, ceux qui ont vont le faire. Parce qu'ils vont limiter les personnes qui auront accès au retrait. Ils vont le faire, ça c'est sûr. Ils ne vont pas permettre aux gens qui ont 10 comptes, 20 comptes, 40 comptes de pouvoir faire le retrait et profiter comme ça. Non, non, non. Ils vont filtrer. Donc si tu fais un KYC sur un compte, tu ne peux plus le refaire sur le deuxième compte. Parce qu'on sait déjà que c'est toi qui es ici.
Ici, ceux de Zhang, ils peuvent le bloquer. J'ai dit, c'est une vidéo de prévention pour les abonnés de cette chaîne. Au cas où, je souhaite que ça n'arrive pas. Mon plus grand souhait, c'est que ça n'arrive pas. Que ça n'arrive pas, franchement. Que Hamson Combat ne demande pas un KYC. C'est ça. Et là, qu'il fasse comme le projet Notre Coin. Qu'il fasse comme les autres projets. Je sais que le parrainage, ils vont exiger. Le parrainage, la lune vend les choses, ils vont exiger le parrainage. Donc, mais le parrainage, le problème, c'est que les derniers entrants seront peut-être ceux qui seront pris au piège. Si le jeu, bien sûr, ne continue pas. Mais si le jeu continue, alors en avant la musique. Parce que là, des fois, on a fait une vidéo en expliquant cela. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois être prudent, vigilant en ce moment. Donc, c'est une vidéo de prévention. Va vite faire ton quoi? Tes pièces d'identité, si tu n'as pas un passeport, va faire un passeport si tu as la possibilité, parce que c'est pour ton bien. Qui sait, un beau jour, l'agent d'un seul combat pourra te faire voyager aller à Dubaï ou bien aller dans ton pays de rêve, comme mon pays de rêve qui est l'Afghanistan. Donc, à chacun son pays de rêve. Hein. Donc, va faire ta carte d'identité. Parce que s'il arrivait que les gars la demandaient, tu es déjà prêt, tu prends, tu mets plouf et tu prends pour toi, chap, chap, sans te casser la tête. D'accord? Donc, je te recommande aussi, mon frère, ma soeur, toi qui es déjà sur Telegram, de cliquer sur le premier lien de son de la vidéo, de t'abonner à notre channel. Parce que s'il arrivait que ça arrive, on va t'informer ici sur le channel. Abonne-toi aussi à notre compte X. On va t'informer aussi sur le compte X de cliquer pour gagner. Il y a déjà, comme ceux qui le savent très bien, les combos de Pixel Vest sont déjà disponibles sur le compte X. Le combo de James est déjà disponible sur le compte X. Et voilà, le combo de. Et mes filles, d'accord, qui est déjà disponible sur X aussi, et les informations concernant le projet TapSwap, les vidéos, etc., les codes des vidéos, etc., tout est déjà disponible sur le compte. Donc, mon frère, ma soeur, regarde le travail que nous sommes en train d'abattre ici. Donnez-moi la vidéo, partagez la vidéo maximum et reste focus sur la chaîne parce que nous allons venir très prochainement avec d'autres vidéos encore plus intéressantes d'analyse afin de mieux te préparer. Tu veux te former réellement, remplis ce formulaire, le troisième lien. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.